Le Fauve d'Or est le prix le plus attendu lors de la cérémonie de clôture du FIBD. Émile Ferris est une autrice américaine. Elle a reçu ce prix pour une histoire mettant en scène une petite fille qui cherche à résoudre le meurtre de sa voisine juive dans les années 60. It's just tremendous. Je ne serai jamais assez reconnaissante de l'amour dont est entouré ce livre. C'est juste énorme. Le public français est incroyable. Il a eu un regard profond sur cet ouvrage et une vraie compréhension de l'histoire qui a réellement touché mon cœur. Le prix Polar SNCF est attribué à Julien Lambert pour Ville Vermine, L'homme aux babioles, aux éditions Sarbacane. L'histoire d'un détective privé qui discute avec les objets et qui affronte des hommes mouches. On attend la suite avec impatience. C'est des personnages qui m'accompagnent depuis pas mal de temps et je suis super content d'avoir pu en faire un bouquin, deux puisque le second va sortir. Et puis super content que ça puisse, qu'il y ait des gens qui l'aient lu et à qui ça ait plu, quoi. Donc voilà, c'est surtout ça qui me fait vraiment plaisir. Beaucoup d'émotions lors de la remise du prix Révélation. C'est dingue, mon cerveau est en compote, j'ai trois jours de festival dans les fesses, mais c'est incroyable, je pensais vraiment pas me retrouver là, sachant que je dirais qu'il y a même pas un an, je ne savais pas que j'allais être publiée, ça a été un tourbillon extraordinaire cette année, et ce faux vraiment, je le dédie entièrement à mes parents, à mon frère. Émilie Gleason relate la vie quotidienne d'un autiste Asperger, un portrait inspiré par son frère. Cette BD, je l'ai faite avec mes tripes, mon cœur, et j'y ai mis toutes mes forces dedans. Et je pensais que ça allait juste rester dans un petit coin, un petit entourage, un truc familial, et voir que ça parle. Mais à autant de monde, c'est dingue. Autre personnalité consacrée lors de cette cérémonie, Pierre Christin, qui a remporté le prix Goscinny. Le scénariste a travaillé avec Mézières pour la série Valérian, avec Bilal ou avec Tardi.